centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia. On va le rechanter ensemble dans un instant. J'aimerais juste vraiment que l'on puisse se fixer sur Jésus ce matin. Alléluia. À plusieurs reprises, l'auteur aux Hébreux nous dit de mettre nos yeux sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Fixe tes yeux sur lui ce matin. Le Seigneur veut te rencontrer ce matin. Le Seigneur veut te rencontrer face à face ce matin. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on vienne juste chanter, écouter sa parole, avoir la communion fraternelle et rentrer à la maison ici. Ce n'est certainement pas la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu. Par la foi ce matin, ferme tes yeux un instant, lève tes mains vers le Seigneur Jésus. Dis, je ne veux pas manquer ce culte. Je ne veux certainement pas passer à côté de ce que Dieu a pour moi ce matin. Et la seule chose que Dieu te demande, c'est de disposer ton cœur, de tourner ton cœur, hallelujah, de lui donner juste tout. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout pourvu à la croix ce matin, hallelujah, pour que ta vie change. Hallelujah. La seule chose qu'il exige de nous, c'est qu'on lui accorde toute notre attention ce matin, hallelujah. Tu focalises sur Jésus un instant, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Commence à le louer, commence à l'adorer ce matin. Lève ta voix vers le Seigneur Jésus. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue ce matin. Nous voulons être dans une maison de prière. Jésus a dit, le Seigneur a dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Hallelujah. Lève ton cœur, lève ta voix vers le Seigneur Jésus ce matin. Hallelujah. Aucune religiosité ce matin, aucune habitude, aucun rituel ce matin. Un cœur pour Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur pour Dieu ce matin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Visite-nous, Seigneur Jésus, ce matin. Demande au Seigneur. Seigneur, visite-nous, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, touche-moi ce matin, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Une fraîche touche de Dieu sur ma vie. Un attouchement spirituel divin. Hallelujah. 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 Précieux Seigneur Jésus. Précieux Seigneur Jésus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Prends un instant pour lui. Présente tes requêtes à Jésus ce matin. C'est la bonne place, c'est le bon moment, c'est maintenant, c'est ici. Hallelujah, hallelujah. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mes finances, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être dirigé de toi. Seigneur, j'ai besoin d'une direction sur ma vie. Peu importe ce que tu as besoin ce matin, hallelujah, Jésus. Jésus est ici dans ce lieu, hallelujah. Il fait plaisir à Dieu, ça lui fait plaisir de répondre à ses enfants, hallelujah, qui demandent avec foi, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Seigneur, nous voulons vivre un moment avec toi ce matin, Seigneur. Un moment divin au cœur de Paris, au centre de Paris ce matin, Seigneur. Hallelujah. Un moment divin avec Dieu ce matin. Hallelujah. Dieu est prêt. Dieu est là. Mais c'est à toi maintenant de tourner ton cœur vers lui. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'accrocher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Hallelujah, hallelujah. Touche nos vies, Seigneur. Visite-nous, Seigneur Jésus, ce matin. Hallelujah. Hallelujah. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais.
captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens changer ma vie à nouveau. Aide-moi par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Seigneur, nous dépendons de toi ce matin, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es la source de la vie éternelle, Seigneur. Nous n'avons pas en nous-mêmes la vie, Seigneur, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Hallelujah. Et notre âme a soif de toi. Dis-lui, Seigneur, mon âme a soif de toi ce matin. Hallelujah. Peut-être es-tu complètement abattu, complètement découragé ce matin. Peut-être te sens-tu mort intérieurement. Hallelujah. Tourne ton cœur vers lui. Hallelujah, il est la source de la vie. Il renouvelle, hallelujah, il restaure ton âme ce matin. Il relève tes forces, hallelujah. Il ressuscite l'espoir, il change ta façon de voir les choses. Lui seul peut faire cela ce matin, hallelujah. Esprit de Dieu agit, hallelujah. Tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu aimes ta fille ce matin, tu aimes ton fils, Seigneur. Tu veux la toucher, tu veux la visiter, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Tu veux que nous quittions ce lieu enrichi de toi, Seigneur. Enrichi de ta personne, Seigneur. Hallelujah. Tout ce que tu es, Seigneur, tu nous l'offres ce matin, Seigneur. Tu nous aimes tant que tout ce que tu es, tu nous l'offres, Seigneur. Tu t'offres à nous ce matin. Viens, Esprit de Dieu, touche nos cœurs, touche nos vies. Seigneur, je prie pour un moment divin ce matin, Seigneur. Tu sais aller bien au-delà de mes limites, Seigneur, de mes capacités, Seigneur. Tu as choisi les choses faibles de ce monde, Seigneur. Tu m'as choisi, Seigneur. Parce que toute la gloire doit te revenir, éternel. Hallelujah. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Car je sais que tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu m'as dit dans le lieu secret combien tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu ne les abandonnes pas ce matin, tu ne les laisses pas eux-mêmes, Seigneur. Hallelujah. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la direction du Saint-Esprit sur ce culte ce matin, Seigneur. Tu as dirigé Christine, Seigneur, dans ce qu'elle a dit, Seigneur. Elle ne connaissait pas mes notes, elle ne connaissait pas mon message. Elle a dit mot pour mot ce que je vais prêcher ce matin, Seigneur. C'est ton esprit qui nous dirige, Seigneur. C'est ton esprit qui nous unit ce matin, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour la joie de te célébrer. Hallelujah. Merci pour la joie dans ta maison, Seigneur. Tu veux la joie dans ta maison, Seigneur. Hallelujah. Merci pour la joie dans ta maison ce matin, Seigneur. Hallelujah. 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 Amen, 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 amen. Prenez place sans plus tarder dans la présence de Dieu ce matin. La seule chose que je vous dirais, c'est si vous êtes une maman, ne quittez pas trop rapidement. On a un petit cadeau pour vous. Les mères sont à l'honneur aujourd'hui. Et sans plus tarder, tournez avec moi dans le livre des Actes, le 26e chapitre. Et je veux poursuivre ce que j'ai partagé dimanche dernier. Le titre de mon message était « Voir Dieu ». Donc, c'est la suite de ce message aujourd'hui, « Voir Dieu ». Et nous retrouvons tout de suite, sans tarder, l'apôtre Paul sur la route de Damas. Il s'appelle Saul à l'époque. Il est convaincu d'être sur la bonne voie, mais il ne l'est pas. Et le Seigneur doit l'arrêter, le Seigneur doit le toucher et il va voir Dieu. Et nous allons voir ensemble ce matin que c'est la volonté de Dieu que nous voyons Dieu, que nous puissions voir Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Tournez-vous à la personne à côté de vous, dites-lui, le Seigneur veut se manifester à toi. Le Seigneur veut te visiter. Je ne sais pas si vous avez déjà médité
ce que les aveugles qui ont été guéris par Jésus ont expérimenté. Mais ça devait être quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, où un homme aveugle de naissance, toute sa vie, s'imagine un monde, en fait. Vous avez déjà réfléchi à ça? Toute sa vie, il s'imagine que le monde est d'une certaine façon. Et moi, j'étais à l'école et dans mon cours de physique, il y avait un aveugle à côté de moi, il s'appelait Stéphane, et c'est un génie, c'était, il était extraordinaire. Et un jour, on a reçu les résultats d'un test qu'on a fait, et moi, franchement, en physique, j'étais un peu nul. Et puis lui, il était vraiment très intelligent. Il a reçu en braille les résultats de son test, il avait son petit ordinateur braille dans la classe comme ça, et je le vois un peu découragé, je lui dis « c'était une mauvaise note ». Il dit « ouais, j'ai eu 98% et tout ». Ça. Dis-toi, Christian, t'as eu combien? Je te dirai. De toute façon, tu peux pas voir. Puis on rigolait un petit peu comme ça. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi 98% te décourage? Et il me regarde comme ça, puis il m'a mis une flèche dans le cœur. Il m'a dit, moi, je connais toute la science de la lumière, mais toi, Christian, tu vois. Et pour un jeune homme de 17 ans, ça m'avait marqué à vie. Et les aveugles s'étaient imaginé une vie. Et quand Jésus a touché leurs yeux, au final, ils ont dû tout réapprendre. C'est d'accord avec moi? Parce qu'ils s'étaient imaginés, ils entendaient des gens passer autour d'eux, ils avaient touché, ils essayaient de comprendre le monde. Et quand leurs yeux s'ouvrirent, ils découvrirent que le monde n'était pas comme ils pensaient. Il fallait tout réapprendre. Ils passaient maintenant à une nouvelle vie où ils découvraient le monde duquel ils avaient été privés de la vue. Et c'est ainsi que nous vivons sans Dieu. On s'imagine les choses de Dieu, on s'imagine le monde spirituel, on s'imagine Dieu, mais le jour où Dieu touche ton cœur, l'intérieur, tes yeux spirituels, Paul parlera même des yeux du cœur, le jour, et c'est extraordinaire comment Christine a été dirigée dans le début de ce culte, le jour où Dieu touche ton cœur, tes yeux intérieurs s'ouvrent et tu réalises des choses. Et c'est ce que Saul de Tarse a vécu. Mais il fallait que le choc soit si fort que même Dieu le rendit aveugle pendant quelques jours. Vous êtes d'accord avec moi? Même si des écailles ont tombé de ses yeux plus tard. Il fallait qu'il se reconcentre sur l'intérieur pour découvrir qui est Dieu. Et j'aimerais vous parler de cette importance ce matin, le message d'une simplicité qu'un enfant, j'aimerais qu'un enfant puisse comprendre ce message. Mais nous avons besoin de réaliser à quel point le plan de Dieu pour chaque être humain, de chaque culture, de chaque rang de la société, de tous les âges, que tu sois jeune ou moins jeune aujourd'hui, Dieu désire se manifester à toi. Non seulement Dieu désire se manifester à toi, et Dieu n'a pas de chouchou. Dieu nous aime tous de façon égale. La lumière brille, il faut ouvrir ses yeux. Et même, il faut se disposer, il faut demander à Dieu. Et Dieu, c'est le premier chant qu'on a chanté ce matin. « Ouvre les yeux de mon cœur », vous êtes d'accord avec moi? Et c'est une prière, « Seigneur, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de te comprendre, Seigneur. J'ai besoin d'une fraîche révélation sur ma vie. » Non seulement Dieu désire, mais j'aimerais vous dire ce matin, c'est un décret divin, céleste, au trône de Dieu, là-haut dans le ciel. Dieu a décrété que pour que les choses changent, il faut que tu vois Dieu. C'est un décret céleste. Personne ne peut passer à côté. Nos yeux doivent s'ouvrir. Regarde à quel point Dieu veut. Il dit dans Romains 10, 20, « Je me suis montré à ceux qui ne me cherchaient pas. » Personne ne pourra jamais reprocher à Dieu de ne pas s'être approché de lui, de ne pas avoir cherché à le toucher, cherché à le visiter, cherché à l'interpeller, cherché à l'attirer. La Bible dit, nul ne cherche Dieu, mais Dieu dit, mais moi, je me suis montré à ceux qui ne me cherchaient pas. Je désire tellement venir dans ta vie. Je désire tellement te toucher, te changer, te guider, te protéger, t'éduquer, te donner la sagesse pour voir, faire grandir ta foi. Je désire me servir de toi. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci. Je désire tellement, je veux que tu saches, ça c'est la base. D'abord et avant tout, nous devons comprendre que devant Dieu, il est juste et nous sommes tous pécheurs. Personne ne pourra jamais reprocher à Dieu un jour, mais moi, non. Je me suis montré à ceux qui ne me cherchaient pas. Regardez avec moi, tournez avec moi rapidement dans le psaume. On va tourner ensemble. Vous savez à quel point j'aime la parole de Dieu, j'aime le papier. Psaume 8, verset 5 ou 4 selon certaines versions. David dit, « Qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes de lui?
et le fils d'Adam, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. J'aime Louis II de tout mon cœur aussi, je vais boire un café avec lui, c'est un homme de Dieu. Mais là, il s'est trompé. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes? Non. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu ne penses qu'à lui? Se souvenir et penser seulement à quelqu'un, ce n'est pas la même chose, vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est comme si Dieu était quelque part dans ça. On peut interpréter très, très bien ou on peut interpréter mal. Parce qu'un souvenir, c'est un souvenir évoque le risque d'oublier. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ah, je suis Dieu, j'ai les anges, si, il y a un combat spirituel, Satan, piou, piou, et Dieu travaille, est occupé dans le ciel et tout. Les anges viennent, il y a là-bas, il y a ceci, il y a cela. Et puis, comment ça va en France? Ouh! On va envoyer plus d'anges en France, on va les aider un peu. Et Dieu est tellement occupé tout à coup. Et Dieu dit, ah oui, il y a un homme, ah oui, c'est vrai, il y a des hommes sur la terre. Tiens, tiens, faut que je me... Non, c'est pas le verset, c'est pas ce que le verset dit. La parole dit, qu'est-ce donc l'homme? En anglais, si vous comprenez l'anglais, c'est mindful. Et je vais mal le traduire de façon très, très brute. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu aies la tête pleine de lui? J'aimerais vous te dire ceci aujourd'hui, Dieu ne pense qu'à toi. Mindful, la tête pleine de lui. Dieu ne pense qu'à ses enfants. Dieu ne pense qu'à son Église. Dieu ne pense qu'à t'aider, te sauver, te restaurer, te guérir, te fortifier, te guider, se servir de toi, te bénir, te multiplier. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu ne penses qu'à lui? Mais ce n'est pas terminé. Parce que Dieu n'est pas un théoricien, Dieu est un praticien. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu ne penses qu'à lui et que tu le visites? Notre Dieu veut nous visiter. Dieu veut te toucher ce matin. Hallelujah. Dieu veut te parler dans le métro. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vécu un miracle on est dimanche, vendredi. J'étais de l'autre côté de Paris, je marchais sur la rue, j'avais des batailles dans mes pensées. Une dame s'approche de moi, traverse le trottoir et vient me voir. Vous êtes pasteur Christian? Oui. Elle m'a donné une parole d'encouragement, puis elle est partie. Je suis resté là comme ça. Bonne journée, pasteur Christian. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, cette dame. Dieu veut nous encourager. Qu'est-ce donc là? Dieu veut te toucher, te parler, te visiter, n'importe où. N'importe où. Non? Tu as le droit de dire amen? Hallelujah. Exode, Dieu dit... Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi. Impressionnant. Je ne t'ai pas seulement sorti d'Égypte. Je ne t'ai pas seulement gardé dans le désert. Je ne veux pas seulement te donner Canaan. Je viendrai à toi. Je veux revenir vers toi. Je veux te toucher encore. Je viendrai à toi et je te bénirai. Et Jésus dit dans Jean 6, en effet, et là je vais traduire mot pour vous directement. En effet, le désir de mon Père, et le plaisir de mon Père et la détermination de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, voit le Fils. Mais moi, pasteur, je n'ai jamais vu le Fils. Et je n'ai jamais vu Dieu et Dieu ne m'a jamais rencontré. Ah non, non, non. Je regarde bien ce matin. Le désir, plaisir, détermination de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je vais vous bousculer ce matin. On vous a dit, il faut croire pour voir. Et c'est vrai, Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Mais là, Jésus dit l'inverse. Vous avez déjà réfléchi à ce verset? Jésus ne dit pas, il faut croire pour voir. Il dit, il faut voir pour croire. Ah bon? Ah ben ça, c'est très très bien. Moi, je suis un athée, je ne crois pas en Dieu. Le jour où je verrai, je croirai. On va y arriver. Mais Jésus dit bien que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils... Donc, vous allez me dire, mais c'est terminé, c'était il y a 2000 ans. Les Juifs l'ont vu, l'ont pas vu, non, 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 l'ont pas considéré, ceci, cela. Ça ne concerne plus. On ne parle pas de voir physiquement, on parle de voir dans son cœur. La volonté de mon Père, c'est que quiconque est visité par ma présence, après, elle a la liberté de croire ou pas croire. Moi, j'ai vu des gens être visités de Dieu, tout lâcher et le suivre. Je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu des choses extraordinaires. Mais j'ai vu des gens aussi visiter de Dieu et dire non, 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 je ne veux pas ça. Je veux garder certaines choses. Tu vois?
Donc il y a cette liberté, il y a cette nuance que Jésus apporte ici. Jésus dit, oh, la volonté de Dieu, c'est quiconque voit le Fils. Après, croire au Fils va quand même exiger de lâcher des choses pour le suivre. Et porter une croix pour le suivre. Et c'est là que, oui, il m'a visité, oui, il m'a touché. Et c'est là qu'on peut recommencer à douter. Non, mais c'était des sentiments, c'était des émotions. C'était la musique, c'était l'église, c'était ceci, c'était les gens. C'était une sorte d'effervescence qui m'a prise. J'aimerais te dire probablement que c'était Dieu qui t'a visité. Mais il y avait un prix à payer pour le suivre. Alors Jésus dit, quiconque voit le Fils et croit en lui. Parce que croire, ça veut vraiment dire passer à l'action. Eh bien là, il reçoit la vie éternelle. Je vais regarder avec vous ce matin, on n'aura pas le temps de tout faire et on va continuer mardi soir. Pourquoi nous devons voir Dieu? Et il y a presque 20 ans de cela, j'ai épluché une étude très systématique qui a été faite par des théologiens non chrétiens. Donc si vous dites des théologiens non chrétiens, pasteur Christian, est-ce que ça existe? Mais oui, ça existe. Il y a des gens qui étudient la Bible qui ne croient pas en Dieu. Et il y a des gens qui étudient la Bible et qui croient en Dieu. Il y a une étude théologique très systématique, très poussée, faite par des théologiens non chrétiens qui ne croient pas en Dieu, sur l'ensemble des théophanies de toute la Bible. Théophanie, c'est les fois où Dieu s'est révélé. Et ces hommes ont pris tous les textes de la Bible où Dieu s'est manifesté à quelqu'un. Dieu s'est révélé, Dieu a visité quelqu'un. Ils ont tout analysé de façon très, très cérébrale, de façon très pragmatique, très cartésienne, juste les faits, on compare les faits. Ils en sont venus à cette conclusion. À chaque fois que Dieu s'est manifesté à quelqu'un dans la Bible, à chaque fois qu'un homme a reçu une révélation de Dieu, il y a une transmission de grâce qui a été donnée à cette personne. Impressionnant, hein? L'étude venant de gens qui ne croient même pas en Dieu. Même nous, théologiens, non-croyants, libéraux, qui nous croyons pas à ce que la Bible est la parole de Dieu, nous reconnaissons que dans ce livre, à chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, il lui donne quelque chose. C'est la première raison pour laquelle on a besoin de la révélation de Dieu. Dieu veut se manifester à toi pour te donner une grâce, te fortifier. Dieu est rayonnant. Et comme toute la nature sur la terre est au bénéfice de la lumière du soleil, le soleil, vous savez, le soleil est très, très, très loin de nous. Moi, je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques ce matin, les calculs de distance. Mais nous sommes tous bien d'accord, le soleil est très, très, très loin. Mais nous sommes tous d'accord que si nous restons trop exposés à un soleil d'été, on va se faire mal. On va sentir qu'il était trop proche. Parce que le soleil transmet quelque chose. Et Dieu transmet à ses enfants. Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu lui donnes ton attention, ton intérêt, tous ces chants qu'on a chantés ce matin, mes chers amis, doivent être du vécu. Quand on a dit « je te donne toute mon attention », j'oublie le chant, le dernier chant qu'on a chanté, « je t'ouvre mon cœur », tout ça, ce sont des beaux chants à chanter le dimanche, mais ils doivent être vécus la semaine. Je peux comprendre que pendant que ton patron travaille, et ton patron rentre dans ton bureau, il te demande un rapport, tu n'es pas en train de lui dire « hey, oh, je suis en train de parler avec Jésus, tu me laisses tranquille ». Tu ne peux pas dire ça à ton boss. Tu dois travailler un temps pour chaque chose. Tu ne vas pas faire tes courses en les yeux fermés, sur ton caddie va tomber dans le mur. Mais il y a des moments où tu dois t'arrêter et tu te mets au bénéfice de Dieu. J'ai même dit ceci. Il y a des chrétiens qui prient sans rencontrer Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui prient beaucoup, mais ne rencontrent jamais Dieu dans leur prière. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils rencontrent toute leur requête pendant qu'ils prient. Oh Seigneur, je te prie pour mes finances. Oh, mes finances vont pas bien. Et puis ils finissent découragés, ils commencent en prière en disant « je vais aller prier, je vais m'approcher de Dieu, ça va me faire du bien. » J'ai présenté, « Oh, Paul a dit qu'on peut présenter toutes nos requêtes. Seigneur, je te présente mes requêtes ce matin. Et Seigneur, je te prie pour ma fille qui est loin de toi. Oh, mon mari qui est insupportable. Oh, Seigneur, mon patron. Oh, Seigneur, j'aimerais tellement changer de boulot. » Et puis après une heure de prière, ils sont plus découragés qu'au début. Non. Accorder toute notre attention à Dieu. C'est là que Dieu nous rencontre. Le premier bénéfice d'une rencontre avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. J'en suis profondément convaincu que ma théologie tient debout. Sans rencontre avec Dieu, il n'y a pas de salut. Impossible. Nous ne sommes pas chrétiens. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et un jour, ma mère m'a renversé, j'avais 12 ans.
Il m'a dit, tu es assez mature, mon garçon, tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as grandi dans les voies chrétiennes, tu as grandi dans une famille. Maintenant, c'est à toi. C'est ta liberté. C'est à toi de chercher Dieu. Moi, je ne voulais pas chercher Dieu. Je voulais aller taper un ballon dans le parc avec mes amis à 12 ans. Tu vois? Mais il m'a ouvert l'esprit. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu vas aller au ciel, mon garçon. Toi, ce n'est pas un héritage qu'on passe de père en fils, le salut. Toi, Christian, tu as besoin de rencontrer Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous avez besoin de rencontrer Jésus. On peut chanter les chants, on peut venir à l'église, on peut avoir tout le jargon, le patois de Canaan, comme certains disent. On peut parler le langage évangélique. Vous pouvez avoir une excellente théologie sans jamais avoir rencontré Dieu. Le christianisme, ce n'est pas une religion où on pratique des trucs. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Jésus est mort à la croix, pas pour que tu connaisses des chapitres de la Bible par cœur, même si connaître des chapitres, c'est une très, très bonne chose. Jésus est mort à la croix pour te réconcilier avec Dieu. Le mot réconcilier veut dire retour en harmonie, j'en ai souvent parlé ici. Et maintenant, tu marches avec Dieu. Tu as rencontré Dieu. Voyez-vous, je suis très blanc. Si je m'expose, il y a des gens, s'ils s'exposent au soleil, ils ne vont pas devenir rouges. Moi, si je m'expose trop au soleil, je deviens rouge très rapidement. Et ma peau change vite. Je reçois quelque chose du soleil. Et quand Jésus vient dans ta vie, tu reçois quelque chose. La première, ça te touche, ça te change. Un vrai chrétien, quand le Nouveau Testament dit, nous appelle de marcher en nouveauté de vie, il ne demande pas à des aveugles de le faire, il demande à des gens qui voient. Il demande à des gens qui sont nés de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, la nature de Christ est née en toi. Le premier bénéfice d'une rencontre avec Dieu, d'un cœur qui s'ouvre à Dieu, qui reçoit Dieu, c'est que Dieu rentre en lui. Dieu vient vraiment vivre en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Et de cette rencontre avec Dieu est issue la nouvelle naissance. À travers toutes les années de pastorat, quand je rencontre des gens que parfois ils arrivent et c'est comme s'ils prennent un gros sac rempli de problèmes, et qui le verse sur le bureau ou devant moi, là, il y a tout ça à régler en une heure ou deux heures. Je vais vous dire ce que je fais. La première chose que je fais, je mets tout ça de côté, tous les problèmes de côté. Je dis, racontez-moi votre vie. Et là, la personne, non. OK. Quand est-ce que vous avez rencontré Jésus? C'est la première chose. Parce que je sais que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'espoir. Sans la nouvelle vie. Et je demande aux gens, quand avez-vous rencontré Jésus? Et je vais vous dire quelque chose ce matin. Ça m'est arrivé d'avoir des gens dans mon bureau, convaincus qu'ils étaient chrétiens, ils n'étaient pas. Là, tu te demandes, mais quand est-ce que tu as rencontré Jésus? Raconte-moi comment ça s'est passé. Ah, mais j'étais dans un parc à Paris, je réfléchissais à Dieu, puis il y a une colombe blanche qui s'est posée devant moi. OK, je vous écoute. Ah, mais ce jour-là, je me suis dit, Dieu existe, hein? Et puis je me suis fait baptiser, puis j'ai commencé à aller à l'église. OK, on va ouvrir la Bible. Parce que tu as besoin d'une rencontre avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a répondu à une de tes prières que tu l'as rencontré. Ce n'est pas parce que Dieu a fait un miracle pour toi que tu l'as rencontré. Ce n'est pas parce qu'il t'a béni que tu l'as rencontré. Ceux qui ont rencontré Jésus le savent. Tu peux leur couper un doigt, tu peux leur couper une main, un bras, tu peux les torturer, tu ne peux pas leur enlever, ils ont rencontré Jésus. Et c'est ce que Paul fait sur la route de Damas. Acte 26, c'est notre texte ce matin. Paul est sur cette route de Damas, et il rencontre Jésus. Et puis il va entrer dans Damas, et pendant plusieurs jours, il est aveugle. Il dira plus tard, et lorsqu'il crut bon à Dieu, j'ai dit ça au dernier message, mais on le revoit ensemble ce matin. Et lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi, ici, pas là, là. Je l'ai vu sur la route de Damas. Mais le plus important, c'est qu'il a révélé Christ ici, en moi. Et c'est pour ça que Paul écrit aux Éphésiens, « Je fléchis les genoux devant le Père de qui toutes les familles sont issues de la terre, qu'il ouvre les yeux de votre cœur à son admirable lumière. » Paul dit, « Moi, j'ai vu Jésus, pas seulement sur la route de Damas, je l'ai vu dans mon cœur. »
Nous savons qu'il est allé se cacher pendant 3 ans. Et certains croient qu'il était dans une colonie d'Esséniens, des gens qui traduisaient la Bible, l'Ancien Testament, pardon. Et Paul a certainement revu, de toute façon, il connaissait plein de textes par cœur, Paul. Et il a revu tous ces textes. Les sacrifices, le fonctionnement du temple, le ceci, le cela. Paul a eu des révélations, mes amis. Paul a dit des choses dans le Nouveau Testament que jamais personne n'a dit. Paul a parlé de l'Église comme un corps, comme une épouse. Paul voit dans l'Ancien Testament, il y a une lumière qui vient sur l'Ancien Testament. Dans Romains 10, Paul dit que Dieu va utiliser un peuple. Il utilise un texte de l'Ancien Testament qui dit que Dieu va utiliser un peuple qui ne l'est pas. Un peuple qui n'est pas une nation pour humilier le peuple juif qui a refusé Jésus. Mais quel peuple n'est pas une nation aujourd'hui si ce n'est l'Église? Et Paul parle que l'Église va recevoir une grâce de Dieu, tellement que les Juifs, le peuple de Dieu, vont dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Une telle jalousie qu'ils courent après Paul pour le tuer, même. Et Paul a eu ces révélations intérieures. Et lorsque tu rencontres Dieu, tu découvres que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils, il faut cette rencontre avec Dieu et croit en lui. Et j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, ça peut arriver n'importe où. Pendant le COVID, j'ai reçu une jeune femme en Zoom. On était en plein lockdown, j'oublie toujours le français. Confinement, merci. Nous étions en plein confinement. Et je reçois cette jeune femme qui me dit, « Pasteur Christian, toute ma vie, j'ai grandi dans une secte. Toute ma vie, j'ai grandi. Ma tête, elle marche en envers. J'ai besoin de tout revoir la Bible. Et j'ai écouté vos prédications, vous avez parlé de rencontre avec Dieu, de voir Dieu, de rencontrer Dieu. » Puis elle me dit, je suis découragé. Ça fait des semaines que je crie à Dieu pour le rencontrer. Je n'y arrive pas. Mais vous savez ce qui s'est passé? Devant moi, dans le Zoom, à l'écran, elle a rencontré Dieu. Devant moi, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Elle s'est mise à pleurer. Je ne dis pas qu'il faut pleurer. Et puis on a terminé ensemble en prière. J'ai fermé l'ordinateur, je suis allé à la cuisine. Il y avait ma femme et mes enfants. J'ai dit, c'est incroyable. Jésus vient de visiter une jeune femme devant moi. Dieu veut te visiter. Il peut le faire n'importe où, n'importe quand. La nuit, Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia ce matin. Voir Dieu, c'est recevoir Dieu. Quand le cœur est ouvert. Paul est sur cette route de Damas et Jésus lui dit, et il lui dit ceci, et on va le lire ensemble au verset 16. Lève-toi, tiens-toi debout. Donc il est forcément effondré sur le sol de cette rencontre fracassante. Car je te suis apparu pour faire de toi. Mes chers amis, Dieu nous transforme par révélation. Regardez ce que Jésus lui dit. Je te suis apparu pour faire de toi. Dieu se révèle à toi et ça te transforme. Dieu se montre à toi et il fait de toi. Je te suis apparu pour faire de toi. À chaque fois, et on va le voir mardi, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui, mais on va le voir ensemble. Mais même à travers ta vie chrétienne, ce n'est pas seulement une fois dans ta vie. Quand est-ce que, ah oui, mais moi, pasteur Christian, je peux vraiment dire, j'ai rencontré Jésus il y a 47 ans et 52 jours, je m'en souviens. Amen. Mais encore aujourd'hui, le Seigneur veut se manifester à toi. Et Jésus lui dit, lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de quoi? De ce que tu as vu. C'est quoi un témoin? Voyez-vous, si on vous appelle en cours témoin d'une scène de crime et vous passez à la barre, comme on dit, et puis on vous demande de témoigner. Vous étiez là sur la scène? Non. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je l'ai lu dans les journaux. Hein. J'ai très bien lu l'article dans le Figaro. Je comprends très bien ce qui s'est passé. J'aimerais témoigner. Je pense que le juge va vous demander de sortir. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Quand Dieu dit à Paul, pardon, je t'ai appelé à être témoin. Quand les premiers chrétiens étaient témoins, c'est qu'ils avaient vu quelque chose. Et même Jésus dira dans Jean 17, Père, je prie non seulement pour ces apôtres qui sont là, qui m'ont vu physiquement en fait, mais pour tous ceux qui dans la suite des temps croiront en moi. Alors,
cette révélation intérieure, Paul va dire aux Corinthiens qu'une lumière a illuminé leur cœur, en fait, les Corinthiens. C'est plus qu'une adhésion. Vous pouvez être membre administratif de l'Église Paris-Métropole ou membre d'une autre association, mais dans le royaume de Dieu, on ne devient pas membre par adhésion intellectuelle. On devient participant par nouvelle naissance, qui est une expérience spirituelle. Et ça, Dieu veut le faire. Et le Seigneur lui dit, « Je te suis apparu pour faire de toi le serviteur, le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai encore. » Vous avez déjà remarqué ça? Donc Jésus lui dit sur la route de Damas, « Mon cher Paul, ce n'est pas la dernière fois que tu vas me voir. On va se revoir souvent. On va être en communion. On va marcher ensemble. Je t'envoie leur ouvrir les yeux. » Regardez. « Je t'envoie leur ouvrir les yeux. » Donc le ministère de tous les chrétiens, c'est d'avoir des révélations de Dieu, de voir Dieu. Bien sûr, ces révélations doivent être bibliques. Je ne peux pas tout dire ce matin, on se comprend bien. Mais mon appel, c'est d'avoir des rencontres avec mon Sauveur, de marcher avec lui et d'en être témoin, mais pas que. Non seulement je suis appelé à être témoin, mais je suis appelé à ouvrir les yeux des autres. C'est ce que Dieu lui dit. Je t'envoie leur ouvrir les yeux. Et là, regardez la réaction de Paul aux Éphésiens. Je plie les genoux pour qu'il vous ouvre les yeux. Je ne pourrais pas y arriver sans lui. Par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Qu'est-ce qu'il vient de dire le Seigneur? Jésus vient de lui dire sur la route de Damas, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils reçoivent. Donc le cœur qui s'ouvre à Dieu, Dieu se révèle et il reçoit ce qu'il voit. On reçoit l'héritage, on reçoit la vie chrétienne, on reçoit le royaume de Dieu, on reçoit par révélation intérieure les choses de Dieu. Jésus dira même dans Jean 14, 17, et la semaine dernière, nous étions sur la Pentecôte, et c'est exactement ce texte de Pentecôte. Il parle du Saint-Esprit, il dit, « Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. » Vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir Jésus, hein? Moi je veux juste vous expliquer les Écritures. Jésus dit, il faut voir le Saint-Esprit pour le recevoir. Quelqu'un a déjà vu le Saint-Esprit? Non. La seule manifestation physique que je me souviens, c'est soit des langues de feu, soit la colombe dans le Nouveau Testament, ou soit son action. Mais lui, le Saint-Esprit, personne n'a jamais vu le Saint-Esprit. Mais Jésus dit que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Donc nous, ça veut dire que nous, on le voit. Là, vous êtes tous là, mais attends, est-ce que je l'ai déjà vu, moi, le Saint-Esprit? Mais oui, tu l'as vu. Dans ton cœur. Révélation de Dieu. Révélation de Jésus. Voir, c'est recevoir. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Quand le Saint-Seigneur se révèle à toi, à l'intérieur de toi, des révélations intérieures, tu as ce que Dieu te donne. Un auteur que j'aime beaucoup, John Bunyan, a dit ceci, « Dieu ne nous berce pas d'illusions. » Ce qu'il révèle à ses enfants, il l'offre gratuitement. Je répète. Dieu ne nous berce pas d'illusions. Ce qu'il offre à ses enfants, il l'offre. Ce qu'il révèle à ses enfants, il l'offre gratuitement. Et je termine avec ceci. Ce matin, j'aimerais être pratique en terminant. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Vous allez dire, Pasteur Christian fait souvent référence à une année de sa vie qui est l'an 2000. C'est une année qui m'a profondément marqué. J'ai vécu un réveil spirituel, je pense que tu étais au Québec à ce moment-là. J'étais un jeune pasteur, desséché intérieurement, activiste, dans l'activité à fond. Mais je me levais tous les matins, je m'imposais une discipline incroyable, je priais. J'ai souvent dit à ma femme, moi j'aurais fait un moine. J'avais une vie à sept, une vie... Se faire mal pour mériter le ciel, j'y étais prêt, tu vois. Mais il manquait quelque chose dans ma vie. Et dans mon adolescence, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 14 ans, ça a été foudroyant, ça a été... Mais dans mon cœur, tout ici, là. Et en l'an 2000, je cherchais Dieu, j'avais soif de Dieu, je commençais à vivre au réveil avec Dieu.
parce que je n'en pouvais plus de prêcher quelque chose qui n'était pas vraiment vrai pour moi. Je vais être très franc avec vous. Je prêchais un bonheur que je ne vivais pas. Je prêchais une plénitude que je ne vivais pas. Je prêchais des eaux vives auxquelles je n'arrivais pas à me désaltérer moi-même. Je ne les trouvais pas. Ou je ne les trouvais plus, peut-être. Et à l'époque, nous sommes allés passer un week-end à New York, à l'église, ça m'a rappelé ça, parce que le pasteur de Top Scotch Church était ici cette semaine, on est allé manger ensemble, et, avec un très bon moment. À l'époque, c'était le pasteur David Wilkerson qui était là. Et Dieu m'a touché particulièrement ce dimanche-là à l'église, et je sors, je vous ai des détails, je sors, et à la sortie de l'église, dans l'entrée de l'église, il y avait une table avec quelques livres de M. Wilkerson, et j'avais un peu d'argent, je ne pouvais pas tout acheter. J'avais tellement faim, je cherchais. Je voulais tout acheter, je voulais tout lire. Et les gens venaient, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait un papy. Un beau papy. Je pense que tu auras l'air de ça, José, quand tu seras papy. Vraiment, il ressemblait à José. Un beau black avec une barbe et tout. Il y avait des petites lunettes avec des petites cordes comme ça. Voyez-vous? Un vrai joli papy. Et ça bougeait partout autour de nous. Il y a eu comme un temps figé entre lui et moi. Je regardais les livres, je ne sais pas quoi acheter, je lève les yeux, et il est là, il me regarde comme ça. Et il ne bouge pas. Il s'approche de moi. Il dit, jeune homme, reste ici. Moi, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il s'en va. Et là, ça se calme, les gens quittent l'église, le culte est fini, dimanche après-midi, les gens sortent, vont visiter New York. On était avec des amis, mes amis voulaient visiter New York et tout. Mes amis sortent, ma femme sort, tout le monde part sur la rue. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. On ne veut pas dire, on se rappelle, on se retrouve. Donc, ils reviennent vers moi et ils me disent, mais Christian, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis un soldat. Il m'a dit, de rester là, je ne bouge plus. Ce papy va me ramener un truc. Il va me ramener, je cherche. Comprenez, j'avais faim, j'avais soif. Je voulais vivre quelque chose avec Dieu. J'avais vraiment soif que ma vie change. Je reste là. Et le temps passe. Il ferme les lumières de l'église. Je reste là. Je vais mourir ici. J'attends le papy. Et je ne sais pas si tu viens, mais le Christian ne viendra pas. Il t'a oublié. Ah non, non. Il m'a dit, moi, je reste là. Et le papy revient. Il revient et il me donne un vieux bouquin. Un vieux bouquin. Pas beau. Des vieilles pages. Et quand tu es jeune, tu veux des jeunes bouquins. À la mode. Pas un vieux bouquin. Et là, je prends son livre et je me dis, c'est pas possible. J'ai attendu tout ce temps pour me faire donner un vieux bouquin usé. Et je le mets dans mon sac, je lui dis merci, je m'en vais. Je rentre chez moi à Montréal, je pose le livre dans ma bibliothèque, très déçu, et je l'oublie. Pendant 3 mois, le Saint-Esprit me parle, tous les jours. Ouvre le livre. Bah, c'est un vieux bouquin. Ouvre le livre. Ah! Et après 3 mois, je cherche et j'ouvre le livre. Et c'était une étude biblique sur la prière et l'enseignement de Jésus sur la prière. Il prend une phrase de Jésus et il dit, « Et ton Père qui est là, dans le secret. » Je me souviens de toute ma vie. Je suis assis dans mon fauteuil, dans mon sous-sol, tard le soir. Et cette phrase prend vie. Christian, arrête de me chercher. Ton Père qui est là. Arrête de prier des heures. J'en transpirais dans mes prières. Je n'exagère pas. Je pouvais rester prosterné devant Dieu. Je me mouchais, je pleurais, je transpirais, je dansais. Je faisais toutes les danses de la pluie, tout ce que tu veux. Je cherchais Dieu, je lisais des livres. Mes amis peuvent vous dire, j'ai traversé l'Amérique. Je suis allé jusqu'en Californie. Dans des grandes méga-churches pour trouver ce que je cherchais. Et une phrase. Alléluia. Et ton Père qui est là. Arrête de me chercher. Et ce jour-là, Dieu ouvre mes yeux. Le juste vivra par la foi. Et la révélation que tu as besoin, elle commence là. Ton Père qui est là. Dieu est là. Et lorsque tu considères que Dieu est là. Dieu t'honore. Enfin, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Jésus dit, sera fait selon votre foi.
je crois que je suis en présence de Dieu. Si tu crois vraiment que tu es en présence de Dieu, je te garantis que tu vas rencontrer Dieu. Parce que Dieu veut te rencontrer. Il t'attend, en fait. On va se lever? Hallelujah. Seigneur mon Dieu, tu sais que c'est bien et parfaitement que j'ai apporté la parole que tu as mise sur mon cœur. Seigneur, un jour je me tiendrai devant toi dans le ciel, devant tous les anges, devant ton trône, et je rendrai compte de mon service pour toi. Seigneur, j'ai voulu être fidèle ce matin et transmettre ce que tu as mis sur mon cœur. Tu es là. Ton Père qui est là dans le secret, voit et te le rendra, et récompensera, te visitera, te touchera, te parlera, te guérira, te restaurera, te relèvera, hallelujah, te communiquera son pardon, te fortifiera. Ton Père qui est là. Seigneur, nous voulons croire ce matin, hallelujah. Libère-nous de toute religiosité. Libère-nous de tous nos efforts humains pour monter jusqu'au ciel, alors que tu es déjà descendu. Tu es là, Seigneur. Une phrase a changé ma vie. Aucun prédicateur, aucun livre, aucun chant, personne, aucune conférence, rien, aucune œuvre a changé ma vie. Ton esprit a changé ma vie. Par ta parole vivante, Christian, je suis là. Et ce jour-là, j'ai commencé à rencontrer Dieu. Alléluia. Ce jour-là, j'ai retrouvé Dieu. Oh Dieu, Dieu m'a sauvé. Alléluia. Dans ma recherche. Et Seigneur, je sais que j'étais ton enfant. Je sais que j'étais né nouveau. Mais j'étais loin de toi. J'étais desséché. Alléluia. Seigneur, je peux dire 23 ans plus tard, je suis toujours vivant intérieurement grâce à toi, Seigneur. Ce fut un réveil dans ma vie en l'an 2000 qui ne s'est jamais arrêté. Hier soir, j'étais avec toi, Seigneur. C'était un plaisir. Seigneur, tu dis à un homme et à une femme ce matin, cherche-moi de tout ton cœur. Mais crois ma parole, reçois ma parole, comme un enfant. Je suis ton Père qui est là dans le secret. Le secret, c'est ton cœur, en fait. Le secret peut être n'importe où, ça peut être sur la rue. Dans le secret de ton cœur, Dieu est là. Dieu veut te rencontrer, te toucher. Hallelujah. Hallelujah. Demande-lui ce matin. Demande-lui, Seigneur, je veux que tu me rencontres ce matin. Je veux que tu me touches, Seigneur. Dieu prend très au sérieux ce que nous... Pourquoi est-ce que je te demande de prier? Parce que Dieu prend très au sérieux ce que nous prions. Dis-lui, Seigneur, je veux te rencontrer. Dieu prend plus au sérieux nos prières que nous-mêmes nous pouvons prendre au sérieux nos prières. Dis-lui, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te connaître, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux être renouvelé dans ma foi. Demande-lui ce matin, à nouveau, Seigneur, encore une fois, Seigneur. Hallelujah. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à être à l'écoute de ton esprit. Apprends-moi à être un jeune homme en communion avec Dieu. Hallelujah. Apprends-moi à être un papy qui marche avec Dieu. Hallelujah. Dans la simplicité de la foi. Au nom de Jésus et tous ceux qui l'aiment disent Amen ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur, l'acclamer? Hallelujah. 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 Le temps passe très, très vite. Je sais que...